Bien le bonjour jeune Shinigami et bienvenue dans le Bar à Sushi, cette fameuse émission culte qui parle d'anime, de manga et presque de musique. Hey toi, tu n'as rien à lire? Alors au lieu d'aller acheter le 4861ème tome de One Piece, ça ne te dirait pas de lire quelque chose de bien? Non? Bon alors va-t'en, tu n'as rien à faire ici. Bien, alors si tu es resté, on va te conseiller 3 lectures à ne pas louper. Bien, commençons par le simple et modeste... The Son of the Evil. The Son of the Evil, donc, le chef-d'œuvre de Yusuke Kishi, édité chez Kana. L'histoire du professeur d'anglais préféré de la classe de première 4 du lycée Shinko Mashita. Seiji Atsumin qui se fait aimer de tous afin de façonner le collège à son image. Mais à quel prix? En gros, nous avons là l'haletante histoire d'un pervers narcissique manipulateur, mettant tout son intellect pour régner en maître dans son petit monde utopique. Un récit mélangeant habilement gore et school life, avec un écrasant suspense à chaque trame, qui vous surprendra plusieurs fois en allant dans la direction parfaitement opposée à celle que vous imaginiez. Et ce, quelles que soient vos attentes. Couronnez le tout avec de magnifiques dessins signés Eiji Karasuyama, qui tient dans 9 tomes seulement. Donc aucune excuse pour ne pas aller le lire, pas comme moi. Et toi qui pensais qu'après une si colossale mise en bouche, tout allait te paraître fade? Eh bien tu te méprends, car voici Vinland Saga, un seinen édité chez Kurokawa qui nous fait suivre l'histoire de Thorfinn, un jeune viking rongé par les souvenirs de la mort de son père. Et qui cherche à tout prix à assouvir sa soif de vengeance en tentant de mériter un combat singulier contre l'assassin de son père, Askeladd, allant jusqu'à rejoindre son équipage pour prouver ses talents de guerrier et renflammer l'honneur de son défunt paternel. Ce récit épique nous fait voyager au fin fond des terres glaciales du Grand Nord, par-delà les océans glaciaux de l'antique Islande, à travers les combats sanglants, les trahisons et les destructions de villages, tout en abordant également la difficulté de vie de cette époque, le combat quotidien des villageois contre le froid, la famine et la religion. Le tout souligné par de sublimes dessins qui retranscrivent à merveille l'ambiance nordique, la terreur glaçante et la rage du combat, omniprésente dans la saga. L'atelier en ont parlé dans une super vidéo de 20 minutes, et on espérait que ça lui aurait apporté un peu plus d'attention car il le mérite. Mais en fait, non. Mais Liam, ils ont l'air super tous ces mangas, mais c'est beaucoup trop sérieux pour moi. Mais ne t'inquiète pas Billy, on a pensé à tout. J'ai ce qu'il te faut. Inomaru no Sumo nous amène dans le lycée Odachi où on retrouve Shinya, un jeune gars à la recherche d'un nouveau membre pour son club de sumo, et qui, en distribuant les flyers pour promouvoir son dojo, bouscule un garçon qui, pour sa petite taille, est vachement costaud. Le garçon s'excuse alors et se présente. Il s'appelle Onimaru et il aimerait devenir membre de son club, mais surtout il rêve d'atteindre le grade suprême de Yokozuna. C'est le plus haut rang que peut atteindre un lutteur sumo. Surpris de sa petite taille mais fou de joie de cette rencontre, Shinya accepte la demande sans hésiter. Ensuite alors, ses deux nouveaux amis qui feront équipe pour remporter les tournois de sumo dans les lycées alentours et devenir les meilleurs lutteurs, se battant sans répit. Un shonen de sport mélangeant amitié, travail d'équipe et action, tout en nous enrichissant sur un art qui nous est peu familier et qui s'avère plus intéressant qu'il n'y paraît. Il y a déjà 3 tomes publiés en France et nous le conseillons à tous les amateurs de shonen sportif. Maintenant t'as plus le droit de te plaindre, t'as plus rien à lire, y en a vraiment pour tous les goûts. Et sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, on te souhaite bonne lecture, bois du saké, avec modération, et reste zen. Matane. Lesson of the Evil. Aha. Ah, abonne-toi. Abonne-toi, lâche un like. Listen of the Evil. Non, Evil. Listen of the Evil. Vinland Saga, la série où tout est possible. Ah, ah. Un seinen avec Kurokawa qui nous fait...